Les amis téléspectateurs, bonsoir, non pas, c'est Ivenson Frank, moi content, rejoignez-nous pour présenter au téléjournal là à Soya. Rapidement, mais puis gros point qui va le faire essentiel journal là. Dans le grand titio à Soya, président de la République là, Jovenel Moïse inauguré, jeudi 21 juin, travail réhabilitation, toit turbine centrale hydroélectrique Péligre, cérémonie inauguration ça, déroulée en présence diverses autorités locales, acte central et puis membres co-diplomatiques à consulaire. Police nationale d'Haïti ensemble avec mission Nations Unies pour appuyer la justice haïtienne MINUJUST mettait fin jeudi à non série formation yotab organisé pour plusieurs policiers dans le département de l'Ouest là sous droit tout le monde. Avenir filière cacao dans le pays d'Haïti a fait l'objet de jours de débat yon initiative ministère agriculture dans tête collée à Catholic Relief Services CRS. Office protection citoyen organisé jeudi 21 juin, yon ensemble conférence débat pour marquer 15e journée internationale fonction publique là. N'a fait coup de pied tout l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump sien mercredi 20 juin yon décret qui visait éviter séparation famille migrant yo sous frontière Mexique ak États-Unis. C'est tout pour ça yon nous bral développer pour un petit moment, restez branché n'abtounen. Merci pour fidélité au acte télévision nationale d'Haïti. C'est avec dossier courant. N'a démarré journal là. Président République la Jovenel Moïse, inauguré jeudi 21 juin, travail réhabilitation, trois turbines, dans centrale hydroélectrique Péligre. Cérémonie inauguration ça, déroulée en présence diverses autorités locales ak centrales et puis membres corps diplomatiques à consulaire. Esaïe Aurelius ak Pierre-Hippolyte Duvigneau a présenté une contrainte. Pour qu'on y a, centrale hydroélectrique Péligre a produit à toute capacité qui c'est 54 MW. Avant de travailler réhabilitation, ça y est, l'été qu'on fournit 28 MW. C'est la compagnie française Comelex qui est spécialisée dans l'électromécanique qui réalise le travail en bas contrôle électricité d'Haïti, EDH. Inauguration de travail, ça y est, c'est un pas important pour concrétiser promesse président de la République là, pour faciliter le pays à joindre courant 24 sur 24 d'après le directeur général. Qui était destiné à produire. On a franchi une grande étape, il reste encore des actions à entreprendre. Notamment, tous les équipements électromécaniques n'ont pas pu être totalement réhabilités. Il faudrait les continuer de manière à avoir une exploitation viable et sécuritaire de la centrale. Il faut continuer avec l'acquisition des pièces de rechange, effectuer à temps les entretiens programmés et je dirais accompagner les techniciens puisque la centrale d'aujourd'hui a une technologie de pointe. Donc il faudrait accompagner les techniciens à cette nouvelle technologie. Les actions restant à entreprendre, ce sont des mesures qui visent, vous voyez ici, il y a deux consommateurs de puissance, un de 67 MVA qui permet d'écouler toute la puissance produite par la centrale et un autre de réserve qui malheureusement n'a pas toute la capacité de laisser passer toute la puissance de la centrale. Président République là, Jovenel Moïse, dans l'intervention, fait connaître l'administration de l'APAP Campé, notre travail cap mette PIA sur route développement et puis favoriser bien-être de la population. Chef l'État mande population payer pour courant et consommer pendant le rappel, travail pour réparer différents micro-réseaux après possible. Courant 24 sur 24 là, son réalité, c'est sur route l'année, c'est pour rêver. Haïti pour aller bien courant 24 sur 24, car tout le monde, dans toute entreprise, toute industrie dans le pays, parce que on paye pour le développer, il faut une route, il faut un courant. Des grosses décisions qu'en cours, décisions que le président Wanda a ce point pour le mettre l'eau potable dans la ville qui y allait à partir de rivières que le gars a caillé. Et pourtant en Haïti, le peuple a capté de là où fait nous suspendre rêver. Au peuple qui suspend rêver, on suspend vivre. Au peuple qui suspend rêver, on mourit debout. Eh bien, nous-mêmes, nous prenons décision pour nous continuer pour rêver.
pour une fois qu'on est le grand, le bon et le bien, c'est pour vous lier tout. Les pas fait pour un groupe monde, les pas pour tout le monde. C'est droit, c'est pas ici. Les gens qui vivent dans une zone reculée, les gens qui vivent dans Pidonville, dans Port-au-Prince, dans Cap-Haïtien, dans Okaï, dans Gonaïve, dans Hens, dans Mibale, c'est droit. Pour nous courant, pour nous de l'eau, même pour tout le monde. C'est droit. Pour nous route, pour nous la case, nous-mêmes qui savons être Cap-Gardé, là, nous bâtissons sur Cap-Gardé, nous tomatisons, nous maïsons, c'est droit. Pour nous route, pour nous la case. Moun boukan carré, c'est droit nous. Pour nous route pour nous la carré nous. Jodia, c'est pour le président qui l'a qui campé. Qui veut dire nous parfois ça nous veut tendre. Mais il dit nous réalité. Mais pour route dans le pays, pour mettre courant dans le pays, pour mettre blanc dans le bout de monde, à qui ça peut faire? Je m'en demande à qui ça. Je vais me poser une question ça, Jodia. Avec l'argent. Côté pour l'argent, côté pour le sorti. Partenaire. International là. Nous pas qu'à tout temps c'est eux pour nous mettre couille nous pour nous demander. Côte dignité nous. Côte fierté nous. Je dis à ces mon apprendre qu'on est courant ça cap sur là, c'est pour nous payer. Faut nous payer parce que si nous pas payer pas tu tiens pour là parce qu'à faire. Étranger on va nous 100 million de dollars pour réhabiliter pelig. Yo ban nous 23 millions de dollars pour réhabiliter ligne qui mène courant sur Port-au-Prince. Ça fait 124 millions de dollars. Mais reste là c'est pour nous capel. Côte dignité nous. C'est pour nous café, pour nous payer courant. Nèg qui n'a pas quand elle n'a pas privé sur nous. Nous connaissons EDH, comment c'est mettre l'équipe sous pied. Nous avons bon tout ça au besoin en matière d'accompagnement pour la police, pour la justice de l'accompagnement. Depuis nèg comprendre, il y a monté sous poteau. Côté lien l'air pour le bonjour de notre capitaine descendre. C'est dans l'année 2014, travail réhabilitation ça yo qui inauguré jeudi 22 juin, t'es commencé. Une série de travail qui coûtait plus passé 100 millions de dollars américains et puis joint financement Banque Interaméricaine Développement BID, gouvernement pays l'Allemagne avec Fonds International Développement OFID. Travail à caravane changement a continué dans le département nord-est pays, précisément dans la commune Trou du Nord. Travail a avancé pour construire diverses routes avant fête patronale la commune l'an 23 juin Cap Vénila. Reportage à Fallon Delphin avec l'aurore d'Arly Jean-Jacques. Le travail a commencé dans l'arrondissement Trou du Nord. Objectif là, c'est construire toute route qui gagne dans la commune nord. Directeur départemental travaux publics nord-est là, ingénieur Guy Amboise Oli, ba garanti travail sa yo a commencé avant fête Saint-Jean-Baptiste là, Saint-Patron commune nan. Na caravane nan to n'a pas réhabilité, ça veut dire asphalter toute route net dans tout du nord. Avant fête là pour nous c'est nous ka faire maximum possible. Et ben après fête là n'a continué toujours, n'a fait tout pas passer c'est toute route net président dit c'est toute route même petit corridor yo. Population dans zone ça pas de cacher satisfaction yo suite à travail ça yo qu'a fait dans commune nan. Vivre plus bien, faciliter circulation dans commune nan, c'est axe sa route ça yo pral servi d'après quelques monde qui te profiter remercier chef l'état pour initiative ça. Moi remet travail la qu'a fait là parce que c'est à l'honneur du président ça fait. Là bout à bon problème, c'est pour mieux travail moi qu'a fait qui est intéressé dans pays là. Ça pour mieux travail pour moi. Moi travail là bon. Le premier président qui vini, donc qui a fait travail ça. Parce que par rapport à l'aide de l'autre, qu'on a fait des gars, a un problème parfois. La machine dans la boue, il n'y a pas un problème. Arrondissement Trou du Nord, qui c'est au chef-lieu département nord-est là, te recevoir l'année passée plusieurs officiels dans l'occasion fête Saint-Jean. Président Jovenel, qui est natif natal zone, te parlé à mon arrondissement ça, sur plusieurs projets infrastructures qui gagnent pour exécuter. Yon l'année après, travail. Office protection citoyen organisé jeudi 21 juin yon série conférence débat dans le local li pour marquer 15e journée internationale fonction publique là. Dans l'occasion, responsable OPCA, maître Renan Edouville, mandé fonctionnaire plus professionnel dans l'idée pour rendre fonction publique là plus efficace. Puis loin, protecteur a encouragé Janio choisi rentrer et puis fait carrière dans fonction publique là. Maître Renan Edouville, t'es dans micro Hurtelou Marie Dieudonne à Colbrich Moïse. Lorsqu'on travaille dans l'État, eh bien c'est un privilège qu'on gagne, ce n'est pas travail pour faire, mais c'est travail population. Population payée à travers des taxes.
pour travailler en tant que juge, pour travailler en tant que policier, pour travailler en tant que n'importe simple fonctionnaire ou bien devoir pour mettre service ou connaissance ou à la, au service de la population. Donc la fonction publique, l'administration publique, eh bien, il doit d'abord un service public. C'est ça que tout le monde doit mettre en tête dans l'occasion journée internationale de la fonction publique. Et la deuxième chose que nous mettons accent sur libre, fonctionnaires yo là, yo capable répondre, nous mettons accent sur droit et devoir, notamment devoir que fonctionnaire a de gagner pour ne pas impliquer dans sa corruption, pour ne pas recevoir des pots de vin qui pas capable et contrarier sa le travail, fonction publique, l'administration publique là. Il faut l'accrocher à la question de voix que le gagnant envers la société a. Et l'autre accent que l'autre point que nous mettons accent sur les tours, eh bien nous mettons accent et coordonnateur sort dit ça, pour que le monde soit capable d'intéresser à faire connaissance, à apprendre davantage et prendre formation dans l'école, prendre formation dans le centre d'études, dans l'université, parce que fonction publique. Il n'y a pas de comme si Mdazo son bagage comme on est capable de rentrer là-dedans, comme ça, mais son bagage qui doit faire son base de compétences, de connaissances, de formation, eh bien, il doit faire son base égalitaire, c'est-à-dire tout le monde doit avoir la même chance, pas de discrimination. Et lorsqu'on fonctionne ou employé fonction publique dans l'administration publique, on doit connaître que non seulement on travaille pour la population, mais on doit mettre intérêt pour, entre parenthèses, ou de mettre foi religieuse entre parenthèses, ou pas là comme si Mdazo pour travailler pour les protestants seulement, mais on doit travailler aussi pour les protestants, les catholiques, les vaudouisants, quelle que soit catégorie maintenant, quel que soit secteur là, depuis ces fonctionnaires employés de l'administration publique, de la fonction publique, ou au service de la population, parce que son job que la population barou pour faire à travers impôts, taxes que ont même payé au niveau de la DG. Coordonnateur fonction publique dans l'Office Management à Ressources Humaines, Henri Boussico, annoncé élaboration d'un document cadre pour tout fonctionnaire des massages rentrés dans le cadre MESI qu'apprend pour renforcer et puis professionnaliser fonction publique là. Henri Boussico a porté plus d'explications dans Miko Hurtelo Marie Dieudonne à Coolbeach Moïse. Qui s'allie exactement? Et nous constatons que il y a un pile monde vraiment qui a plaidé pour la qualité de service que une série d'institutions a fourni par-ci, par-là. Qu'il y a nous-mêmes dans OMH, qui ça nous fait qu'on y a là? Nous fait 6 institutions chita ensemble. Ok, la dernière, il y a DGI, il y a immigration, il y a départ, il y a la douane, etc. Ils sont ensemble, ils signent déjà un charte d'engagement. Un charte d'engagement de la qualité de service. Ou la charte d'engagement, ça qu'on y a là, pour permettre que, ils même ensemble, ils promettent que, ou bien ils engagent formellement, que, mais qui, paquet minimum, que y a bail à population. Qu'on y a là, nous dans le stade, ils fait fin de signer, qu'on y a là, nous dans le stade d'implémentation. Très bientôt, nous allons inviter nous-mêmes au MRH, nous allons inviter la presse de manière à ce que pour capable venir tendre ou bien venir couvrir lancement ça que nous gagnons très bientôt pour nous faire côté que nous allons lancer véritablement charte d'engagement ça d'engagement de la qualité des services pour tous les usagers dans l'administration publique en Haïti. L'autre point dans le journal là, Police nationale d'Haïti ensemble avec Mission Nations Unies pour appuyer la justice haïtienne mettait fin jeudi 21 juin dans série formation yotap organisée pour plusieurs policiers dans le département de l'Ouest là. C'est en série formation qui fait dans l'idée pour sensibiliser policiers yo sous droit tout le monde. Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre a présenté nous un reportage. Introduction aux droits de l'homme, attribution et responsabilité de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, c'est quelques parmi divers thèmes, plus passé yon dizaine formateurs te gen occasion de débattre avec ensemble policiers qui te participé dans 3 jours formation ça. Participants yo qui te sorti dans plusieurs commissariats et unités spécialisées dans le département l'Ouest là, gen pour devoir appliquer et puis partager formation yo recevoir pendant séminaire formation ça avec l'autre policier. Cette formation sous forme de recyclage répond à juste titre à un besoin de nos policiers de se rafraîchir la mémoire quant aux compétences déjà acquises et rentre dans un programme de la MINUJUST de former des formateurs capables de transmettre le savoir à l'ensemble des policiers. À bien regarder l'attitude des participants,
l'engagement et leur participation durant les trois jours où les débats ont été au paroxysme, nous déduisons chez eux un sentiment de grande satisfaction. Directeur départemental de l'Ouest PNH, là, Berson Soljou, qui était présent dans l'occasion, hein, quoi formation ça a après permettre aux policiers de faire plus de succès dans le cadre de travail. Yo. Ce séminaire arrive à un point nommé, à un tournant, où la police nationale d'Haïti se professionnalise. Donc il y a besoin de respect des droits de l'homme et de la personne. La police nationale, une police constitutionnelle qui, de par les différents textes, ordres, directives, répondent aux engagements de l'État haïtien de respecter les droits de l'homme et aussi de la Constitution de 87 qui prévoit l'ensemble des institutions, des forces de sécurité et notamment la police nationale d'Haïti qui a pour mission d'assurer la sécurité des vies et des biens de nos concitoyens. Ce séminaire répond à un besoin de professionnalisation de notre institution, chère à nous tous, et aussi pour permettre à nos collègues de pouvoir intervenir aisément dans les différentes missions confiées à la police nationale d'Haïti dans le strict respect des libertés publiques et des droits de l'homme. Inspecteur général en chef IGPNH là, Ralph Stanley Jean-Brice, rappelait policiers yo rôle yo dans l'occasion cérémonie ça, pendant encourager yo mettre en application connaissance yo recevoir dans cadre formation ça. Toute mission de police commence et se termine avec le respect des droits humains. Le policier se doit de faire son travail de façon correcte, d'assurer la sécurité des vies et des biens, tout en respectant les droits de l'homme. C'est là tout l'art du travail policier. Comment faire correctement mon travail sans pour autant tomber dans une quelconque violation des droits de l'homme. Plus d'un pense que le travail correct ne peut être effectué qu'en bafouant les droits des autres. Mais nous avons pour obligation de respecter les normes, les codes d'éthique, de déontologie et tous les textes légaux régissant la police nationale d'Haïti. Si en total 22 policiers qui te suivent séminaire formation ça. Participants sa yo, na occasion dernier joua, remercier initiateur yo pour démarche sa, pendant yo bay garanti, yo pral mette en application, tout sa yo te recevoir pendant 3 jours formation sa. Direction départementale NIP, police nationale d'Haïti, gen un nouveau responsable nan tête li, commissaire divisionnaire France Lerbourg, remplacé Bertrand Edwidge nan posta. Anne Myriam Loiseau, depuis Miragouane, Bralbano, plus de détails. Ancien porte-voix PNH là installé 21 juin 2018 là comme nouveau directeur départemental NIP Police là. C'est Caméus Joanny, directeur central police administrative là, qui a présidé cérémonie installation. Dans la discussion constante, il fait directeur tout neuf là connaît tâche pas facile. Il dit, il compte sur supérieur hiérarchique lui pour bal tout support pour le cas réussir notre travail et confié. Nouveau locataire direction départementale NIP Police là dans l'intervention. Remercier le directeur général PNH là pour confiance se placer dans lui pour diriger poste ça. Fort Lerbourg qui t'a parlé avec agent PNH Nipio promet pour collaborer à toute autorité constituée dans le département. En présence du directeur central de la police administrative, qui aussi a une très longue carrière dans la police, j'ai beaucoup appris au contact de ces gens-là. J'ai compris aussi que la police se fait des fois avec le cœur. C'est pas parce que vous manquez moyens, c'est pas parce que vous pas gain machine, ou pas qu'à patrouiller à pied, c'est pas parce que vous pas gain frais qui fait que vous pas gain engagement. Donc ces choses-là, l'homme de fait des rapides dans la police, on pas gain. Au fur et à mesure que la progresser,
n'a gagné. Et deuxième axe de travail, c'est bonne collaboration, si vous voulez, avec les autorités locales. Parce que pour une société apaisée, il faut que tout partenaire, nous-mêmes qui sommes membres de la sécurité, il faut que tout membre partenaire, autorité locale, religieuse, comme vous déjà dire, il faut que tous ces gens-là comprennent le travail de la sécurité. Je ne veux pas faire des porte-parole, mais je veux aussi vous dire que je veux assurer la sécurité de tous les secteurs. Commissaire divisionnaire Franz Lorbourg qui remplaçait Bertrand Edwidge qui passait 4 mois dans tête police Nipla, qui continue à transférer dans la direction centrale, installé en présence cadre de la justice, la police, membre MINUJUS et la trier. Anne-Myriam Loison, Métropolite Miragouane pour TNH. Nous allons observer deuxième pause nous dans le journal là, pas débranché, Naptounet pour reste information. Actualité à poursuivre sur Télévision Nationale d'Haïti. Yon sommet sur technologie, tamen, jeudi 21, pour arriver dimanche 24 juin à Mori, en présence de plusieurs experts qui travaillent dans affaires technologie. Sommet ça va faciliter diverses institutions qui travaillent dans le domaine technologie, discuter ensemble et puis permettre compagnie Sayo améliorer qualité service Yabay dans le pays, d'après ministre haïtien qui vivent l'autre bout de loi, Guy André François. Plus d'explications dans le micro, Lionel Jean-Louis et Henri Robert Chers. Nous avons que soit dans le Cameroun qui peut gagner à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Donc, c'est une grande victoire au niveau de la technologie pour Haïti. Et c'est qui peut créer un pile d'emploi. Par exemple, nous avons une équipe Google qui est là, nous avons le fondateur de Twitter qui a porté dans le pays, nous avons des membres du gouvernement qui a participé. Donc là, on n'a pas avancé vers le développement, vers la technologie, que je pense qu'ils sont victoires pour Haïti. Haïti Tech Summit, c'est un sommet qui réunit différents et compagnies. Ça veut dire compagnies technologie. J'aimerais dire que les Google, que les Twitter, que les Facebook, que les différentes compagnies, ils viennent regarder qui ça qui gagne sur le terrain. Et nous avons dit que nous déjà connaissons, nous avons une population de plus de 10 millions. Et moi-même, j'ai ajouté 4 millions de diaspora. Donc, qui veut dire ça fait 14 millions. Et nous avons dit que Google lui-même n'est intéressé avec tout pays. Cependant, il y a deux pays qui ont plus de priorité. Ça veut dire plus pays à des monde plus s'y intéresser, même parce que quand même nous avons environ une trentaine d'haïtiens qui travaillent dans Google qui sont gros bagages pour pays, hein. Et c'est monde ça qui va aider Google ouvrir porte et améliorer service parmi lesquels Google Maps. Et il y a de différentes applications et qui allaient vers des routes comme Waze, que un pile diaspora et étrangers utilisaient. Et application ça, un marché en Haïti. Moi-même, pendant que je suis monté au Cap l'autre jour pour le lancement, j'ai utilisé une application ça. Et je pense que la direction était bonne jusqu'à ce que je arrive à Milo. Et c'est donné à ça que je baille. Ça veut dire que nous travaillons ensemble pour nous renforcer le système technologique et encourager les jeunes, tout le monde qui gagne ça, les smartphones, pour télécharger l'application ça, pour garder la direction, parce que comme ça, nous avons décentralisé et encourager. Dossier santé, qui ça anémie falciformie et puis qui j'ai un monde qui a gagné maladie ça. C'est sous thème ça, coordination, projet, dépistage, drépanocytose organisé jeudi 21 juin, une séance sensibilisation sous anémie falciforme dans l'hôpital Saint-Damien. Activité ça réalisée dans occasion journée mondiale anémie falciforme, non, mardi 19 juin passé. En suivant, reportage Rachel Saint-Fo avec Hervé Pierre. D'après spécialistes, sur anémie falciforme, non, si on anémie, mon n'a gagné, il fait appel. Il prend le maman, la papal. Il déforme globule rouge, il fait au perdre flexibilité, yo. Ça qui la cause, au boucher, que ce sanguin, yo. Et puis, ben, mon n'a douleur. Il y a plusieurs symptômes qui manifestent la caïmon qui gagne anémie falciforme. Les cas gagnés, ça nous relève douleur dans toute col. Ça nous estime, nous dit crise vaso-occlusive. Les cas gagnés, un gros anémie. Les gens qui ont un gros anémie, qui s'est gagné, les tout blanches, yeux sont capables de jaune, les gens qui ont un jaunisme, parce que ça est tellement détruit en pile, les yeux sont capables de jaune. Donc, les cas gagnés, tout, moins les zones qui affectent. C'est ça nous relève crise à plastique là. Donc, n'importe quel microbe, n'importe virus, vient affecter les gens, moins les zones viennent pas fonctionner, donc, les pas produits cellules encore. Les cas gagnés, ça nous relève tout.
et crise de séquestration. Qui ça qui crise de séquestration? C'est la rate moun. La rate moun, c'est un organe qui est dans le ventre. Moun yo kon di le grain ventre. Donc, la rate ça, c'est comme si li capte tout sans moun, sans vin pas circuler presque encore, li capte et puis li met grosseur, li enfle dans votre ti moun. Ou bien dans votre grand moun tout. Donc, la crise ça fait, ti moun nan pas bien, ti moun nan kap tombe parce que li pa gen sang kap circuler, tout sang yo vin kembe au niveau de rate moun. D'après docteur Nora Saint-Victor, dépistage néonatal, c'est une facteur qui aide dans la prévention complications maladie ça. Son bail héréditaire, vous faites avec, vous pas rester avec. Mais qui ça m'a fait pour me prévenir vraiment complications maladie? Parce que il y a plein de complications. Si mon nan ka gon stroke sans que le pas fait tension, sans que le pas fait l'autre maladie, qui ça ka bal stroke là? Sans le pas circuler. Donc les bouchées viennent dans tête li et puis les vinn gen stroke, les gon bol qui aller même genre avec grand moun yo. Donc premier bagaille qui aide vraiment dans prévention, c'est ça nous relé dépistage néonatal. Qui ça qui dépistage néonatal? Donc, si tout que tout le monde fait, nous connaissons nos pays à risque, parce que c'est plus qu'à monde noir ou qui a une falciforme. Si tout que tout le monde fait, il y a des programmes pour faire examen pour lui pour est-ce qu'il y a une trace anémie falciforme dans le sang. Kounya, si tout le monde a une trace anémie falciforme dans le sang, je vais prendre le bal des médicaments, non, parce que je vais retirer la trace dans le sang. Je vais prendre le bal des médicaments qui a aidé pour globule rouge comme si vous trace plus longtemps qu'à aider pour empêcher que toujours interné. Coordonnatrice maladie chronique l'hôpital Saint-Damien Miss Marie-Chérie Simon explique que quelque manger qui bon pour monde qui fait anémie falciforme. Maladie ça, c'est pas dépendre seulement de médicaments pour prendre, yo capable vraiment vivre avec maladie ça avec ça que nous gagnons sous terre Haïti. Par exemple, nous t'ai parlé en pile sur question manger. Nous t'ai parlé de qui c'est de manger pour capable manger pour aider avec ça surtout avec nous t'ai parlé de véritable puis haïtien par mais véritable alors ce véritable c'est un bagage qui très bon pour anémie falciforme lui aider parce que il gagne acide folique là dedans qui capable aider avec maladie ça patate une série de fruits et par exemple épinards brocoli etc nous gagne cresson carotte bête rouge nous t'ai parlé de ça qui bénéfice que capable jeune dans ça lorsque vous mangez genre de manger ça responsable fait qu'on ait grand pile médicaments qui aide monde qui fait anémie falciforme yo vaquer à occupation yo et puis améliorer qualité vie yo. Docteur Nora Saint-Victor explique l'hôpital Saint-Damien gagne en clinique anémie falciforme côté gagne environ 1250 monde qui gagne maladie ça qu'a suivre régulièrement yo ba au patient avec médicaments qu'a empêcher au éternuer souvent et puis qu'a aider au vivre plus longtemps. Pour mon comité pilotage, état généraux sectoriel nation, hein, pral permettre différents secteurs réunis et puis réfléchir sur quelques expériences, yoté fait déjà pour aider société à dans prochaine décision l'état bien pour prendre. Mon comité pilotage, état généraux sectoriel nation, hein, dit yo arriver dans phase rencontre avec la population, hein. Cependant, yo invité tout secteur rejoignent yo dans rencontre avec forum yo pour permettre plus actions positives posées dans société. L'État généraux ça a fait nous un pile monde qui les soyez. Est-ce que pays a vraiment intéressé? Est-ce que problème? Parce que l'État généraux c'est pas un nous pour chiter ensemble. C'est monde qui pas d'accord avec nous pour nous chiter, pour nous parler. Dans la phase que nous vivons là, qu'on y a là, c'est phase pour nous à joindre directement la population. En même temps, on a continué à rencontrer le secteur. Dans le bureau, nous, mais en même temps, tout une équipe qui est sous terrain pour chita avec nous. Ce n'est pas pour nous dire qui ça ouvre, non. C'est eux-mêmes qui ont dit nous qui ça ouvre, comment vous avez un pays à gouverner, comment vous avez un pays à vivre ensemble vrai, et comment tout n'a pas sorti dans toute tête chargée que nous y a. Parce que maintenant, tête nous, Haïti, pas comme ça. Si nous venons mon délabrement qu'on y a là, il faut que nous cherchions cause profonde. Alors c'est ça que fait le président Jovenel, lui créer un comité ça pour permettre que nous-mêmes, parce que ce n'est pas lui-même seul qui a fait tout le travail. Là. Et nous toujours disons c'est une occasion en or que nous joignons. Bagay que nous avons dit anti-cellule, qu'on y a là, nous joignons un président qui est conscient, qui dit bon, il faut que bagay yo changer.
et ça fait longtemps que n'a souffri, mais personne pas jamais gain conscience pour dire que gain problème. Le président Jovenel dit oui, gain problème. Et problème pour résoudre, c'est voir tout le monde qui pour compter. N'a rappelé pour vous que secrétariat technique organisation états généraux sectoriel nation présenté mercredi 20 juin pendant une conférence pour la presse perspective comité pilotage là pour SANEA, secrétaire exécutif secrétariat technique organisation états généraux sectoriel nation Louis Nopierre dans intervention annoncé un forum dans département d'Ouest PIA 22 juin cap venir là. Louis Nopierre fait qu'on est comité pilotage là déjà gain plusieurs compte avec divers secteurs en vie nationale là, sorti 4 mai pour arriver 15 juin passé. Pour lui, nos pierres état généraux, c'est moyen pour population à proposer l'État solution qui a aidé pays à avancer. C'est un calendrier qui est extrêmement serré et qu'on a garanti que nous avons ces disciplines et régions pour mettre dans la réalisation de rencontre. Et je crois que nous commençons même gens, par exemple, non, de 4 mai à 15 juin, nous réalisons à peu près une quinzaine de rencontres avec le secteur. Et quasiment, ils ont une rencontre par jour, et deux rencontres par semaine. Et parfois même trois. Donc, on gagne. Et là, nous avons une programmation. Là, nous commençons avec parallèlement rencontre forum départemental. Et nous avons un calendrier très serré. Par exemple, même équipe, très bonne équipe italienne sur le terrain ce matin. Nous retournons hier. Et il y a plus partie demain avec toute l'équipe là pour faire forum dans Nord-Ouest le 22. Le 23, nous avons fait une sorte de table ronde et Jean Rabel. Et même l'équipe là, tout parti dans le Nord pour aller faire, pour aller rencontrer les secteurs au niveau section communale. Et pour que le 30, et nous réunit tout le secteur dans la capitale, enfin dans le chef-lieu et dans le chef-lieu. Donc le 30 c'est nord-est et Fort Liberté. Et puis le 2 juillet c'est au Cap-Haïtien. Donc bonne équipe qui a fait travail de terrain. Hein. Et ensuite, nous avons des grandes rencontres. Alors, rencontres de terrain n'est pas médiatisé. Il n'est pas médiatisé, c'est des ateliers de travail. C'est de capter dans des séminaires que vous voyez de formation. Donc, et je pense que pour l'instant, nous étions dans des délais, nous étions dans le calendrier et nous avons avancé. Si nous avons fait état généraux, c'est parce que la société a gagné des problèmes. Et je pense que dans le cas où tu es sur le dit à l'heure, il y a des gens qui disent pas chita. Je pense que ils ont évoqué des raisons, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont subi des attaques ou des accusations, ça a causé des blessures. Et dans cette société, ça a un pile groupe, un pile monde qui subit des blessures là-dedans. Et ça blessure, ça le fait que nous ne pas jamais mettre mots sur eux, nous ne pas jamais verbaliser eux, nous ne pas jamais prendre temps pour nous retourner sur eux, qui fait que ça bloque nous, même pour nous faire des bagages positifs. Donc, l'État généraux, en fait, au-delà de questions purement techniques pour bon pacte, c'est un moment tout pour la société à retourner son série d'expériences douloureuses qu'elle fait. Il faut que nous ne pas parler parce que les que nous ne pas péter abcès et que y a toujours dans nous, y a toujours là dans tête nous et n'oublier et le plus une réaction que nous gagnons, nous pas gagnons contrôle sur nous. C'est blessure ça qui surgit, nous entendons parole et puis comme si le bon bouton le pèse dans nous réagit. Et donc l'État général pense que sur occasion à la fois pour qu'on parte. Mais pas que ça, et n'est pas vraiment viable si que société a pas on travaille en profondeur qu'il fait sur lui, que ce soit depuis une histoire, non, et nous avons des images que nous toujours dit depuis la Guinée Nègre et Nègre, parce que c'est un moment pour nous réfléchir sur une série d'expressions que nous avons, et question, Zami près, c'est côté de côté des bords, et Zami loin, c'est l'argent serré, ou bien poisson fait de confiance, c'est poisson qui tue. Donc, cette. Ce langage de méfiance, de peur par rapport à nous-mêmes, je pense que ça va bloquer. Non, donc l'État généraux, c'est un espace pour nous capables de retourner sur nous-mêmes, retourner sur l'histoire, nous, retourner sur les blessures que nous gagnons comme société, comme individu, et pour nous capables de dépasser, pour nous rentrer dans un rapport beaucoup plus pacifique avec nous-mêmes et avec l'autre.
Dossier éducation, examen officiel baccalauréat pour année académique 2017-2018 là, a déroulé sous tout territoire, sorti 25 pour arriver 28 juin. Dans l'occasion, un ancien élève lycée Fritz Pierre-Louis a réalisé coup rattrapage pour candidats qui sortit dans diverses écoles en dans pays. Objectif des matchs, c'est permettre élèves qui bien comprendre plusieurs matières ont été faites dans la classe pendant l'année académique là. Des participants qui t'a répondu une question TNH expliqué au prêt pour Sibi et prévio officiel. Yoté Namiko, Midrey Milias et Théodore Dalius. Qui est assez grandiose, qui est assez normal, et professeur très compétent, et puis élève normal, les gars disent, fait preuve de eux-mêmes. Avec les dina pour un bon bête, et puis lundi, on a frappé, kiff, kiff, j'ai qu'un d'assez beaux effets là, de toute façon, parce que quand on est là, je nous prends en préparation de 9 mois pour aboutir avec Jean-Jier, de toute façon, les lundi, on est aussi beaux à composer tête là. Même quand tout est jeune, professeur qui est bas, qui est bon X, il est bon Z, et bien, nous, on est pas le plus important. Parce que, vous êtes quand on a deux billes, vous êtes quand on a une façon de commencer, et pour finir, et bien l'autre résultat à composer, bah résultat. C'est un ensemble de monde qui met ensemble. Il y a un groupe qui organise ce séminaire là à l'occasion pour tout le monde qui parle d'examen baccalauréat. Ensuite, pour tout le monde qui parle d'examen, tout le monde qui récale et tout. Le message que m'a voulu m'a dit que tout le monde qui parle d'examen, allez façon que vous êtes capable de parler avec un bagage qui parle faire, soit éliminer ou bien réduire ce point que vous avez fait. Et puis, pendant les 3 jours, vous êtes plus motivé, je pense que après ça, bien composé. Nous arrivons au moment pour nous prendre une autre pause, pas débrancher, Naptoune. Nous avons coup de pied tout coup dans l'actualité internationale. Là, président américain Donald Trump signe mercredi 20 juin un décret qui visait éviter séparation famille migrant. Déjà, il y a plus passé 2300 timounes avec adolescents qui séparés avec parents. En suivre. Après tentative pour faire appliquer politique zéro tolérance face à l'immigration clandestine sous frontière mexicaine, président américain Donald Trump tourne sous décision. Côté le signé mercredi 20 juin, il y a un décret qui visait éviter séparation famille migrants qui était franchi illégalement frontière États-Unis avec Mexique. Là. D'après le décret présidentiel, ça a plusieurs poursuites pénales pour continuer contre monde qui a traversé frontière illégalement. Côté parents, actifs pour aller en détention ensemble, tout pendant qu'ils attendent l'examen de CIO. En ce moment, meilleur alors qu'ils ont tenté de rentrer sous territoire américain. Mais puis, au point noté développé pour un journal là, président république là, Jovenel Moïse, inauguré jeudi 21 juin, travail réhabilitation, 3 turbines, centrale hydroélectrique Pélig. Cérémonie inauguration ça, déroulée en présence diverses autorités locales, avec centrale et puis membres corps diplomatique à consulaire. Police nationale d'Haïti, ensemble avec mission Nations Unies pour appuyer la justice haïtienne, mettait fin jeudi à dans série formation et étape organisée pour plusieurs policiers non département de l'Ouest là, sous droit tout le monde. Office protection citoyen organisé jeudi 21 juin, ils ont ensemble conférence débat pour marquer 15e journée internationale fonction publique là. Actualité à l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump, mercredi 20 juin, ils ont décret qui visait éviter séparation famille migrants sous frontière Mexique et États-Unis. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité à attention. Nous souhaitons tout le monde passer une bonne nuit sous télévision pour la télévision nationale d'Haïti.